Bonjour à tous, aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, et donc pour le coup, je vous propose un Get Ready With Me spécial Valentine's Day. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un look, mon look de Saint-Valentin, mais ce ne sera pas un look qui va aller dans les maquillages traditionnels de la Saint-Valentin, car pour la Saint-Valentin en général, c'est les make-up roses, etc. Nanana. Moi non, j'avais envie d'être jolie, j'avais envie d'être séduisante, et séduisante on peut aussi l'être en étant un peu plus foncée et même un peu bleue. Donc voilà, mon look de Saint-Valentin, j'espère qu'il vous plaira. Et petite précision, toutes les couleurs que j'utilise pour ce make-up seront dans la barre d'infos. Until you come back home. Oh, 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 oh. Just wanna keep calling your name until you come back home. Oh, 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 oh. Just wanna keep calling your name until you come back home. I'm sitting eyes wide open and I got one thing stuck in my mind. Wondering if I dodged a bullet or just lost the love of my life. Oh, baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day. I gave you something, but you gave me nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I don't. Keep calling your name until you come back home. Oh, whoa, oh. I see you around in all these empty faces. Of all that, and every day I've been looking sad in all the nicest places. Alors là, j'utilise la technique du eyeliner scotch, c'est-à-dire que je mets du scotch au niveau de mes yeux, comme vous le voyez à l'écran, ce qui me permet de faire un trait d'eyeliner bien net. Until you come back home. Oh, whoa.
Alors au niveau de la coiffure, je n'ai rien fait de très compliqué, j'ai juste mis des extensions à clip de la même couleur que mes cheveux pour avoir plus de longueur et donc pour pouvoir réaliser une tresse bateau dans mon dos. Enfin, on me l'a réalisé parce que j'ai des bras très courts et que je galère à faire des choses dans mon dos. Du coup, c'est une tresse vraiment très très simple. Pour parfaire un peu mon look et éviter d'avoir ma mèche qui pend comme ça devant ma tête, ça me plaisait pas trop.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mèches de ma mèche, justement, et avec des bobby pins, des pinces plates, je suis venue les mettre sur le dessus de ma tête, tout simplement. Et finalement, pour parfaire cette tresse, on va dire, j'ai simplement retiré deux petites mèches au niveau de mes oreilles, mes bébés cheveux, dirons-nous, et je les ai torsadées comme ça avec mes doigts, histoire d'avoir deux petites mèches qui pendouillaient. Je trouvais que ça faisait plus joli. Et la coiffure est finie. Au niveau de la tenue, comme vous le voyez, j'ai une robe longue, bleu pastel, que j'ai commandée chez Azos et que je trouve absolument magnifique. Au niveau des chaussures, c'est des chaussures que j'ai aussi commandées sur Azos, qui sont aussi bleu pastel. Et ce sont des chaussures qui viennent de la marque Daisy Street. Et voilà donc pour ce Get Ready With Me spécial Saint-Valentin. J'espère que ce look vous a plu, j'espère que vous passez, que vous passerez ou que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous !